TV16 depuis la place du Conseil général de Gap pour le 98e anniversaire de l'armistice avec la traditionnelle cérémonie d'hommage aux anciens combattants qui s'est suivie d'une reprise en musique des chants d'époque. C'est un reportage signé par les équipes du groupe TV16 Média. Temps de gendarmerie départementale aux ordres du lieutenant Sébastien Bourdon. Chemin de motocyclistes de l'escadron de sécurité routière du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Alpes. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés.
Trouver Manolo un beau matin, et fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. Manolo, enfance, pour m'abriter sous un climat plus doux, mais au foyer, j'ai laissé l'espérance. En attendant, je m'arrête chez vous. Le 11 novembre, c'est à la fois un moment qui est un moment de mémoire et de commémoration. On se souvient du sacrifice de tous ceux qui ont défendu notre pays, parfois au péril et au prix de leur vie. Évidemment, d'abord pendant la Première Guerre mondiale, mais nous avons également une pensée pour tous ceux qui encore aujourd'hui défendent notre pays sur les théâtres d'opérations extérieures. Et c'est un moment également où le pays se retrouve. Ici, tous les Hauts-Alpins se sont retrouvés et ont manifesté leur attachement à notre pays, à ses valeurs et à la défense de la République. Donc c'est un peu tout cela que nous célébrons un jour comme celui-ci. Bien, écoutez, je crois que le devoir de mémoire est un moment essentiel dans la vie d'une société comme la nôtre, d'autant que nous connaissons depuis quelque temps des difficultés en termes de sécurité publique, puisque nous sommes attaqués quelquefois, et nous l'avons vécu tous ensemble, de façon d'ailleurs très solidaire, par de véritables barbares qui n'ont ni foi ni loi et qui ne respectent absolument pas les habitudes, ou tout au moins la culture que nous avons dans notre pays. Donc autrement dit, il s'agit de ne jamais oublier ce qui a pu se passer aussi bien au moment de la Première Guerre mondiale comme de la Deuxième Guerre mondiale et de tous les conflits auxquels notre pays a été confronté.